باسمكم أدعو فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال ليلقي كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ عبد الملك président du conseil d'état du sultanat d'Oman, madame la ministre de l'éducation du sultanat d'Oman, distingués invités, permettez-moi avant tout de saluer Sa Majesté Sultan Haitham bin Tariq, le grand sultan d'Oman, saluer les autorités ici présentes et saluer mon cher ami Dr Salem Al-Malik, directeur général de l'UCESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de délégation, distingués représentants des organisations internationales, de la société civile, Mesdames et Messieurs, j'aimerais d'abord saluer et remercier les autorités omanaises pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé dans la pure tradition d'hospitalité du sultanat d'Oman, vieille terre de culture et de civilisation. Comme le disait le médecin américain Paul Harrison, qui a séjourné dans votre beau pays entre 1928 et 1938, il disait, je cite, « Oman ardu tasamu wal karam ». Oman est une terre de tolérance et de générosité. Merci pour avoir accueilli cette conférence sur l'éducation des pays musulmans. Quand vous m'avez convié, Dr Salem Al-Malik, à cette conférence il y a quelques mois, j'ai tout de suite accepté, parce que nous partageons la même vision et la même passion pour l'éducation, la formation et le dialogue des cultures et des civilisations. L'islam, notre religion commune, a toujours exhorté à la quête du savoir, aussi bien dans le Saint-Coran que dans la Sunna et les Hadiths. Ainsi, dans un hadith rapporté par Abu Ad-Darda al-Ansari et qui fait autorité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes ne lèguent aucun dinar ni dirham. Par contre, il lègue la science. Celui qui s'en emparera, celui qui s'emparera d'elle, se pourvoira d'un privilège grandissant. » Fin de citation. L'histoire du monde musulman reste marquée par sa longue tradition de contribution à la diffusion du savoir et du savoir-faire, à l'image de Jabir ibn Hayyan Al-Khawarizmi, à l'image d'Al-Ghazali ibn Rushd, qu'on connaît sous le nom d'Averroès, et d'Ibn Sina, connu également sous le nom d'Avicenne, entre autres sommités de la Oumma islamique, dont l'apport à la science, la technologie, la médecine, les mathématiques, la pharmacie, l'astronomie, la philosophie et les beaux-arts à traverser les âges et restent de renommée mondiale. Faisant l'éloge du savoir, Elhadj Omar Fouti Outal, un Sénégalais érudit et farouche, résistant à la conquête coloniale, disait ceci, et je le cite, « Le livre est ma raison d'être, le liquide de mes yeux,
l'essence de mon âme et la clé de mon cœur. Fin de citation. On pourrait multiplier les exemples aux quatre coins du monde musulman. Je fais ce rappel pour souligner que par la force de ses idées, par sa contribution à la science, à la technologie, l'art, la culture et toutes les formes d'expression de l'intelligence humaine, la Oumma islamique doit rester fidèle à sa tradition contributive au progrès de l'humanité. Notre prestigieux héritage doit nous motiver, nous inspirer et surtout nous rappeler la responsabilité qui nous incombe de maintenir l'éducation et la formation au cœur de nos priorités. L'ère de l'intelligence artificielle, où le savoir et le savoir-faire tracent de nouvelles lignes de démarcation entre les nations. Voilà pourquoi l'éducation et la formation des jeunes sont parmi les composantes essentielles de la Fondation Macky Sall pour la paix, le dialogue et le développement que j'ai créée en avril dernier. Je me réjouis de me joindre à l'ISESCO et à ses États membres pour porter ensemble la noble cause qui nous réunit ici à Muscat. Je reviendrai au cours des prochaines sessions plus en détail sur les problématiques de l'accès universel à l'éducation, sur la qualité de l'éducation dans nos écoles, mais également sur la lancinante question du financement de l'éducation. Je souhaite plein succès à notre conférence et je vous remercie de votre aimable attention.